Cyril Hanouna est revenu sur son échange tendu avec Sophie Tapie, dans Touche pas à mon poste sur C8 mercredi 29 septembre 2021. L'animateur a levé le voile sur les coulisses de ce clash, avant de faire son mea culpa. Cyril Hanouna se confond en excuses. Le présentateur de Touche pas à mon poste a fait son mea culpa mercredi 29 septembre 2021 sur C8, au lendemain de son altercation avec Sophie Tapie. En effet, la fille de Bernard Tapie, qui était venue faire la promotion de son nouvel album intitulé 1988 mardi 28 septembre 2021, n'avait pas apprécié être interrogée sur l'état de santé de son père. Résultat, le ton était rapidement monté sur le plateau. Face à cette polémique, l'animateur a tenu à recontextualiser l'interview de son invité. Alors que Bernard Tapie souffre d'un cancer généralisé, sa fille Sophie Tapie traverse une période particulièrement douloureuse, c'est vrai que ça s'est plutôt mal goupillé dès le début. Moi, Sophie, c'est vraiment quelqu'un que j'aime. C'est quelqu'un dont je suis assez proche. Elle était avec moi en loge avant l'émission et c'est vrai que, déjà, on avait mal à la tête tous les deux. On était un peu fatigués. Elle me disait, je suis un peu fatiguée. Je reste beaucoup avec mon papa. Et elle n'était pas dans son état normal, non plus, parce que c'est compliqué pour elle de parler de son papa et de voir des images de son papa, a reconnu le roi du PAF. Je ne me suis pas mis à la place de Sophie. Dans un second temps, Cyril Hanouna a présenté ses excuses tout en prenant la défense de Sophie Tapie. C'est vrai qu'elle a eu, peut-être, un comportement particulier, mais il faut aussi se mettre à sa place, a-t-il déclaré, avant de poursuivre. Je pense qu'hier, à un moment, on était dans notre monde et on ne s'est pas mis à sa place. Elle savait qu'on allait parler de son papa, parce que c'est l'un des titres de son album, mais c'est vrai qu'à un moment, je pense que j'ai été un peu maladroit avec elle parce que ce n'est pas pareil, quand vous connaissez bien la personne. Vous lui parlez comme si c'était votre pote en plateau. Ça a été perçu comme de l'agressivité, mais ce n'est pas du tout ça. Je ne me suis pas mis à la place de Sophie. Ça me fait de la peine parce que je n'aime pas être méchant. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa famille. J'éprouve une grande tristesse, Cyril Hanouna s'était déjà confié à cœur ouvert, après cet échange tendu sur le plateau de son talk show. Mercredi 29 septembre 2021, il avait publié un message sur Twitter, « Les chéris, je viens d'échanger avec Stéphane Tapie qui est comme mon grand frère depuis des années, et je lui ai dit que la réponse de Sophie m'a rendu un peu maladroit, et j'éprouve une grande tristesse car je l'aime vraiment », a-t-il écrit sur son compte Twitter, mercredi 29 septembre 2021. Des déclarations qui devraient apaiser les tensions.